Croyez-moi, votre grâce. Ma solitude de voyageur m'a bien appris ceci. Mieux vaut la compagnie d'un petit primate, obéissant et éclairé, que celle d'une femme. Ni les singes ni leurs femelles ne sont habités du maléfice inhérent à chaque femelle de notre espèce et qui nous entrave dans la voie du progrès. Vraiment? Et qu'aurait-elle de mieux que nos femmes, ces créatures? Pour simple exemple, les guenons ont cet avantage de ne suivre que leur nature. Elles n'entravent pas leur fonction de reproduction par leur charme et leur pensée. Dans notre Occident, les salonnières prétendues, intellectuelles, se répandent comme la peste à force de forcer leur âme à des développements d'une complexité contre nature et finissent par remplacer l'intelligence naturelle de leur rôle de ventre par une conscience. Ce dont, Dieu merci, les guenons ne s'embarrassent pas.